Et salut les gars, c'est Nico de Smile Fishing. Voilà, je repars pour une petite session supplémentaire à la truite encore une fois. Le temps est assez dégueulasse aujourd'hui, hein. Il pleut un peu, c'est trempé. Enfin bon, on va faire un test. De toute façon, je suis pas sûr de ce que ça va donner parce qu'aujourd'hui j'ai un nouveau compagnon qui est mon petit toutou que je viens d'avoir il y a pas très longtemps. Il a 6 mois, c'est Luffy. Luffy, on va faire un test, c'est notre première à la pêche ensemble. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Voilà. Allez, c'est parti les gars. On va voir sur les premiers lancers si Luffy il se jette à l'eau pour essayer de la récupérer la cuillère. J'espère pas. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Allez, truite. On va voir la réaction de Luffy en direct. Oh, jolie. Elle est bien belle. Jolie, jolie. Qu'est-ce que c'est ça, mon toutou? Il y a un poisson là-dedans? Hein? Je vais la décrocher, les gars. Ah, elle est jolie. Mais la rivière est plus grosse que les ruisseaux qu'on fait d'habitude, donc les truites sont un petit peu plus jolies quand même. Allez, on va décrocher ça. Hop. Elle est jolie. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, mon toutou? Un poisson? Je t'ai jeté dans la rivière, hein, je t'ai vu. Hein. Il m'a niqué le coup. Au-dessus, là, il a sauté dans l'eau. Allez, hop. Retourne dans l'eau, ma grande. Allez. On va essayer de continuer plus haut. Avec le chien, en espérant qu'il saute pas de partout. Il est en folie, ça y est, il s'excite. Sors de là, Luffy. Luffy, non, non, non. C'est pas vrai. Je crois que ça va être plus compliqué que prévu. Luffy, viens ici. Eh ben, c'est quoi ça? T'as envie d'aller jouer dans l'eau, d'accord, mais là non. Allez, on fait pas de bruit. C'est bien, c'est au-dessus et laisser couler dans le courant. Là. Dans le courant là-bas. Là. Allez. Oui. Hop là, impeccable ça, dans le trou dessous là-bas, exactement ce que je voulais faire, impeccable. Ah, ça fait plaisir. Hop hop hop, Luffy. Qu'est-ce que c'est ça, mon grand? Le poisson? Hein? La truite? Allez, sors de là, tu vas te prendre mon fil. Allez, on va la décrocher tranquillement. Hop. Hop, une jolie fario là. Belle sauvage. Hop là, doucement mon grand. Regardez, elle a de belles couleurs. Hop. Superbe.
Allez. Et ça repart. On va continuer, ça fait plaisir. En plus avec le toutou. Hein, hein mon Luffy. C'était quoi ce poisson? La truite? Ah, j'ai le téléphone qui arrête pas de sonner, je vais passer en vivre. Eh, c'était la truite? C'est la truite? Eh oui. C'est magnifique. Hein Luffy? C'est joli là. Oui mon toutou, ne va pas dans l'eau. Luffy, viens ici. Tu vas tomber tête de nouille. Allez. On va se mettre plus bas là, vite. Le trou était joli. On est arrivé doucement. Il s'est pas jeté dans l'eau la truffe là-bas. Allez viens ma grande. Joli fario. Et ça repart. Hop. Elle est là. Je sais pas si on la voit la caméra, mais en fait c'est vrai que c'est gêné. Hop, elle est partie. Allez, on va continuer. Super. Ça en fait 3. J'ai plus de batterie sur la GoPro. Aïe aïe aïe. Elle s'éteint toute seule parce qu'il reste 20%. Je peux faire que des images de 20 secondes. Je vous mettrai les photos des truites si j'en fais d'autres. Parce que là j'y arrive pas. J'aurais dû prendre la deuxième batterie, mais je pensais pas que ça se passerait aussi bien avec Luffy. Donc voilà. Alors moi j'essaie de pas m'approcher tête. Et toi tu vas dedans. La caméra est coupée. Hop. Voilà, ça fait 4. Je vais vous filmer la release parce que ça tient pas la caméra. J'aurais dû prendre la deuxième batterie. On arrive à s'en sortir quand même. Allez, hop, on ne traîne pas et on retourne à l'eau. Hop là. Allez, on continue à pêcher. C'est bien le fiasco. C'est très bien. Très bien mon toutou. Une de plus. Oh, elle est jolie celle-là. Allez, je vais essayer vite de la vous montrer. Hop. Hop là. Et ça repart. Allez, direct. Hop. Voilà. Je suis de retour l'après-midi. J'ai laissé Luffy à la maison. Il y a le vent qui s'est levé un petit peu. J'ai voulu continuer le morceau là où j'en étais parce que ça commençait à mordre quand même. Donc je me suis dit pourquoi pas. Luffy était KO, donc je l'ai laissé. Et la GoPro est chargée ce coup-ci, donc il n'y a plus d'excuses. Et on va continuer la portion parce qu'elle est belle et je ne l'ai pas encore faite. Donc voilà, allez, on y va. Hop là, il y en a une qui m'a attaqué sur la fin. Mais elle s'y est pas pris. C'est là-dessous, mais c'est dangereux. Ah, purée. Deux attaques dans le coin, il n'y en a aucune qui s'est attrapée.
Putain, j'ai refait un lancer les gars. Mais je l'ai pas filmé. Oh, elle est belle en plus celle-là. Oh, c'est une costaud. Elle est costaud. Hop là. Je vais la décrocher gentiment et je vais vous la montrer. Ah, elle est jolie celle-là. Elle est jolie. Elle vient par la cocotte. Hop. Voilà. On va continuer plus haut. Eh ben, ça fait plaisir. Deux ratés dans le trou, puis une sortie. Il y a du poisson. Heureusement que j'ai laissé le fil. Parce que c'est plein de ronces. Le pauvre, il se serait fait mal. Oh là, c'est joli en face. C'est joli. C'est jojo. Bon, mais j'ai dû descendre dans l'eau pour décrocher. C'est pas recommandé de pêcher en étant rentré dans l'eau. Ça fait du bruit. Mais bon, on tente, hein, on sait jamais. On ne sait jamais. Là, on est pas mal. S'il y a quelque chose. Oh, truite. Eh ben, tu vois, j'ai bien fait d'insister. Oh non, il s'est décroché. Elle s'est décrochée, la coquine. Elle est toute petite. Oh, dans les appuisettes. Oh. La difficulté là, elle était particulière quand même entre les branches. Hein. C'était pas facile là. Hop. Voilà. Elle est là, la petite. Allez, elle repart de suite. Merci, ma grande. Bien avoir une qui va défendre son territoire quand même. Ou qui va venir bouffer. Ah. C'est vrai que je m'améliore un peu sur le lancer quand même. Voilà. Allez. Eh oui. Voilà. C'était sûr qu'il y en avait une là quand même. Allez, calme-toi cocotte, viens là, dans la boîte, on va se mettre au calme derrière, là, hop, retourne dans l'eau tranquille pendant que je vais te décrocher, je vous la montre après. Allez, voilà, viens là. Et là. Et merci. Bon ben voilà les gars, fin de journée, fin de session. Le matin avec le fil, l'après-midi tranquille. De toute façon, il aurait pas pu me suivre là où j'étais. Je me suis mis dans la bagnole parce que ben il y avait du vent dehors et là on est un peu plus tranquille, puis je me suis changé, je vais repartir. Voilà, je me suis régalé, jolie rivière, un vrai plaisir. Que dire de plus si ce n'est pêcher la vie et garder le smile. Allez, ciao à tous les gars.